Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Voici l'Ocean Viking à bord de ce bateau de sauvetage. Des hommes, des femmes, des enfants, 234, d'après l'association SOS Méditerranée, qui les a recueillis en mer entre la Libye et l'Italie. Selon l'usage, c'est le port sûr le plus proche qui doit le recueillir, sauf que l'Italie, désormais dirigée par la leader d'extrême droite Giorgia Meloni, a refusé, remerciant la France d'avoir, je cite, accepté d'ouvrir ses ports, ce que Paris dément. L'Italie reçoit pourtant des subventions européennes conséquentes pour compenser le fait que sa géographie l'expose particulièrement aux flux migratoires. Alors puisque le sujet redevient un point de crispation du débat politique européen, on a voulu l'aborder nous, comme toujours, avec des chiffres et avec des cartes. 2015, au plus fort de la guerre syrienne, l'Union européenne affronte un important défi migratoire. Plus d'un million d'entrées irrégulières. La majorité des candidats à l'asile passent alors par la route orientale, via la Turquie, la Grèce et les Balkans. Les autres par la route centrale, via la Libye, la Tunisie et l'Italie. Et seulement 7 000 par la route occidentale, Algérie, Maroc, Espagne. Dès 2016, ces chiffres diminuent, avec 374 000 entrées irrégulières, puis 137 000 en 2018, 97 000 seulement en 2020. Mais depuis, on observe une légère recrudescence des migrations vers l'Europe. Ainsi, entre janvier et septembre 2022, 118 000 entrées irrégulières ont été comptabilisées. Contrairement à la période de la guerre en Syrie, ce n'est plus la route orientale qui est la plus empruntée, mais la route centrale. Conséquence, c'est bien par l'Italie que passent la plupart des candidats à l'asile, principalement des Égyptiens et des Tunisiens, deux pays qui souffrent des crises récentes, le Covid y a fait chuter le tourisme, tandis que la guerre en Ukraine a fait flamber le prix du blé. Enfin, notons qu'au Royaume-Uni également, la question migratoire redevient un sujet de crispation politique, notamment après l'attaque terroriste d'un camp de migrants situé à Douvres dimanche 30 octobre. Il y avait une motivation d'extrême droite derrière cette attaque, a déclaré la police antiterroriste. Côté chiffres, 28 000 personnes ont tenté de franchir la Manche en 2021, 39 000 depuis le début de l'année 2022. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt.